YouTube. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode sur Zelda Talk. La dernière fois, nous avions... Prenons la carte. Nous avions récupéré l'orbe qui était dans le bazar à sec. Le mec, finalement, il était à trois pas. Il était là. Donc à cet endroit-là, source de l'oasis. Qui, en fait, rejoignait le puits... du bazar à sac, puis qu'on nous avions déjà fait, donc techniquement tout était ouvert. On a juste eu à parler au mec et revenir à l'endroit du... à l'endroit de l'échelle du puits, quoi. Du coup, voilà. Du coup, on s'est dit quand même, il va peut-être y avoir un orbe au niveau du, vous savez, de la vallée des statues silencieuses, là, au niveau de la... Dans les souterrains de la cité Gerudo. Du coup, on a fait les petites énigmes, on a tué quelques Gibdo, et ça nous a débouché là-dessus. Voilà, donc, pas d'orbe. On s'est dit peut-être que orbe au niveau des statues des 7 héroïnes, mais pas du tout. On a pu voir que bon, y en a 4 debout. Il y a une épée. Là, c'est une épée. C'est l'épée de là. D'elle. Il y en a que 2 qui ont gardé leur épée. Là, t'en la vois ici même. Elle est couchée sur le dos. Elle est bien enfoncée. On lui voit que le bout de la tête. Et elle est carrément tombée en dessous parce que là, il y a un nombril des sables. Et même dans ce nombril des sables-là, il n'y avait pas d'orbe. On a eu... je sais plus ce qu'on avait eu. Mais voilà. Et du coup, on s'était dit, bah, tant qu'à faire, on va aller chercher le... la tour qui est ici. Du coup, elle est là, voilà. Et on y va du coup, attendez, voilà, Babil, non, moi je veux Babil, voilà, Babil. Parce que comme en ce moment on n'a pas assez d'argent pour acheter les bottes des sables, parce que... Pardon. Ah ça... Ils auraient pu laisser ce glitch là, franchement. Endurance infinie, c'est pas... Bonjour, vous... en plus, c'est un blizzard. Ne me regarde pas. Je ne suis pas là. Babil. Voilà. On va tomber au sol à... Oh, tiens, on va se mettre là. Hop. Oh, coucou. Où est-ce que... Coucou. Est-ce qu'on vous a... Oui. Tiens, vas-y, Babil. Ouais, il y en a un deuxième. Vas-y. Ah mince. J'ai été pris dans le champ. Sérieux, toi, tu... on va peut-être avoir un peu froid si je fais ça. Oh, saloperie de bâtard de ta grand-mère. Oui, oui, je... Mince, il est tombé. Oh, oh, il est tombé loin. Du coup, on va remonter là-dessus. Avec tout le bruit qu'on a fait... Non mais Link, t'es pas sérieux. Debout, debout. Excusez-moi, il y avait des baies qui traînaient. Du coup... Babil. Un corgo. Mais il a déjà été fait celui-là. Non, il n'a pas été fait. Saloperie.
Désolée, hein, mais c'est plus fort que moi. Saloperie. Bon, vous vous en occupez, les gars? Ça va peut-être pas marcher comme ça. Hop. Mais non, mais Sidon! Il m'a poussé, la saloperie. 1 caillou... Je suppose que le caillou, il est là-dedans, c'est ça? Ah non, il est là. Vous m'avez presque fait peur. Voilà. C'est bien prête quand même ce petit pouvoir. Coucou. Vous avez pris une photo? Oui. Par contre j'ai plus beaucoup de vie. D'ailleurs, j'y pense. Sérieux? Ah si, y en a. Mais non, mais tu donnes, après il va nous attaquer. Bah merci pour la vie de viande. On avait déjà pris des photos en plus. Vous êtes prêts? Babila. Pourquoi t'es toujours à 3 km? Ouais, on est au niveau des. Des trucs des yoga. Je sais pas, vu qu'ils ont décidé de. De faire leur base en bas. Je sais pas du tout si ils comptent. S'ils sont toujours dans leur base de base en fait. Apparemment, j'ai un petit problème. Tout simplement, tour des hauteurs Gerudo. Y a-t-il un humain dans le coin ou est-ce que la tour marche tout simplement? Mais la tour ne peut pas marcher puisque. Nous n'avons que le cul. Parce qu'en réalité, la tour... Il n'y a bien pas d'humain. Hein. Non, c'est juste l'autre con là avec son. Okay. Le cul doit être dans une grotte. Donc au bout d'un moment, on va tomber. Logique est implacable, mais encore faut-il trouver la bonne grotte. Oh, on peut pas les récupérer comme dans dans Skyward Sword. J'aurais dû mettre un téléporteur. Ah, parce qu'il y a rien ici, là. Mmh. Mmh. Oui.
We have problems. Don't worry about that problems because we can do it. Nous pouvons le faire. Je sais pas où on va atterrir, mais c'est pas grave. Ça va être trouble. Bah oui. Ah, excusez-moi. J'ai des petits problèmes de... de télé qui s'éteignent toute seule. C'est bon, j'ai compris. On peut un peu cheater, mais pas non plus trop, quoi. Le but maintenant va être de savoir comment. Comment est-ce qu'on va faire? Patati patatou. Et vous avez vu cette rapidité? Technique de speedrunner. Peut-être qu'il suffit tout simplement de mettre des feux et ça va se... Je devrais peut-être pas sauter. Attendez... Je sais pas si ça fait quoi que ce soit, mais... On rampe un chouille plus vite. Vous l'aurez remarqué. Vous l'aurez remarqué. Ou alors faut faire comme avec le sable, avoir une bonne petite hélice et si. Attends, c'est pas une grotte là? Putain, la grotte elle était juste à côté. Et alors? Coucou. Ok, il y a une truc. Ah non, c'est un silex. Ici, il y a quand même une truc. Donc, qu'est-ce que nous dit ce journal? Lire le journal de Piquier. Voici le journal de construction de la tour de reconnaissance des hauteurs Gerudo. Premier jour. Nous sommes arrivés sur le site. Peu après le début des travaux, une tempête de neige s'est abattue sur nous. Nous avons dû arrêter de prendre... dû nous arrêter et prendre refuge dans la grotte voisine. Nous sommes ici à l'abri et au chaud et nous avons donc décidé d'y installer notre campement pour le temps des travaux. Troisième jour, la grotte s'est avérée plus profonde que nous ne l'avions pensé dans un premier temps. Nous l'avons explorée en remontant un cours d'eau. En nous y enfonçant, nous avons entendu comme des bruits de marteau. Comment est-ce possible à cette profondeur? Des gorons? Une race que nous ne connaissions pas? Nous continuerons notre exploration demain pour tâcher d'en savoir plus.
Sixième jour. Nous avons découvert, en nous enfonçant dans la grotte, qu'elle s'étend jusqu'en dessous de la tour de reconnaissance. C'est pas vrai. Elle est si proche de la surface que le poids de la tour pourrait bien provoquer un effondrement. Il va falloir l'étayer sans attendre. Dixième jour, les travaux de la construction de la tour de reconnaissance sont terminés. Nous devons cette rapidité d'exécution à l'ingéniosité de Dame Proua et l'efficacité de Grosaillet et associés. Grâce à leurs travaux en amont, l'assemblage des pièces sur le site a été d'une simplicité déconcertante. En gros, vous avez joué au Lego, quoi. Ou au Mega Bloks. Ou tout simplement au Kapla. Au cas où nous devrions revenir pour les réparations, nous avons laissé du matériel au campement. J'ai hâte de redescendre de cette montagne et de m'asseoir devant un bon bol de soupe bien chaude. Ok. Attends. Non, mais pas ça, moi je vais m'asseoir. Assieds-toi. Mais non. Pourquoi est-ce que dans Skyward Sword on pouvait s'asseoir? Mais pas dans Tears of the Kingdom, ni dans... Pardon. Ni dans Breath of the Wild. C'est... Ah oui, parce que... Ok. Attends-moi! Je suis passée sous la... La plechinette. Ah, mince. Ah, c'est bon. Il y a trop de temps. Laissons-nous porter. Oh, en plus, ça arrivait sur mon machin. Ah, c'est là qu'elle a étayé la... Ok, là. C'est bien, on voit bien hein, comme ça où est la tour de reconnaissance. Même sans avoir la carte. C'est quoi ce bordel? Vous êtes en train de me dire qu'il y avait un trou depuis le début? Et qu'on n'était pas obligé de faire le grand tour? Ah non, d'accord. Yo. Ah, t'as pas... Ah, je prends. Alors... Maintenant. C'est un coffre qu'il y a là? Non. Ce n'est qu'une... Attendez. Oui! Il y a des gens dans les billes. Ou tout simplement des gens... fatigués. Oh, shooter! Merde. Ah, c'est pour ça qu'il y a des pylônes! Accroche-toi, Link! Accroche-toi! Ah, mais putain de ta mère! Sa pauvre maman qui n'a rien demandé. Tombe pas. Vous vous foutez de ma gueule? Sérieux? Comment quoi me faire? Attends. Hop.
J'étais un tout petit peu dans l'eau. Voilà! J'espère qu'on est quand même dedans, voilà. Parce que c'est... C'est bien sous terre. C'est bien, bien. Juste pour vérifier. Il y a des ressources. Belle couche de glace. Hein. Bref. Carte de la surface mise à jour. Il y a la bubbles. Carte du ciel mise à jour. Ok, on a un chouille froid. Excusez-moi. Alors, on va remettre. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a débloqué ça? Mais j'ai envie de voir la 8ème héroïne. La meuf chiante, quoi. Parce que du coup, à part la Bobbles, qui est ici, il y a plein de petites îles. Ah! Elle a l'air basse. Est-ce qu'on la voit d'ici? Ah oui, elle est là. Oui, c'est l'île dont il me parlait, l'autre couillon, là, derrière, là. À la tour de... des contrées Gerudo. Ah, il y a un sanctuaire, là. On va s'écraser. On voit toujours la traînée de la statue. Hein. C'est ça qui est dingue. On voit qu'ils l'ont fait tomber là. Non, c'est pas vrai, un sanctuaire. On va essayer de ne pas s'écraser. Ah, coucou. Non, je ne fais que passer, vous inquiétez pas pour moi. Ouh. Je pensais qu'on était plus proche d'une salle. Ma faute. C'est ma faute. Je sais pas si on peut... on ne peut toujours pas y monter au plateau là, qui est sur le côté, je sais plus comment il s'appelle. Quoi? Bénédiction de Raoru. Mais pourquoi?
c'est juste être monté jusqu'ici, c'est bon, on va te donner la bénédiction. On n'a aucune idée d'énigme pour ce truc-là, allez hop. Bénédiction. Je n'en reviens pas. À mon avis, il devait y avoir une quête avec ça. Topaz. On prend. N'empêche, les bénédictions, elles sont magnifiques, ma chérie. Ça fait du bien. Je sais pas si c'est juste le fait d'être arrivé jusqu'ici. Ils nous sont dit, on va quand même leur donner quelque chose. Allure à cheval. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça se tente quand même. On ne sera pas mort bête. Est-ce qu'on peut gruger? Ah, on va pouvoir gruger, non? Ah ah. Les murs sont trop lisses. J'étais peut-être pas sur la meilleure pente. Aussi. Attendez, on va peut-être pouvoir gruger autrement. Je vais vérifier si les rochers qui sont à côté ne sont pas des rochers qui sont tombés du ciel. Du ciel. Enfin, ils sont tombés du ciel, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Qu'on puisse les envoyer dans le ciel. Non, non. Gruger là? Non, on peut pas gruger. Attendez, je vais prendre la partie là. Il y a un micro-rebord, on va dire que Link va pouvoir se reposer ici. Ouais, bof. Sorcier. Ah, ah. Pardon, c'est pas du tout ça que je veux. Elle va nous faire chier, elle, non? Ou peut-être pas. Peut-être pas. Ah si. Non, on peut pas aller plus loin. Vous voyez, ils l'ont encore fait. Même Link, il peut, mais il veut pas. Ah, les saloperies. Ouais, aucun... aucun remords. J'utilise le téléporteur pour faire 3 mètres. Oui, monsieur. Dans quel sens? Bah, je suis dans le bon sens, merci. Ah, il y a plein de petits. Est-ce qu'on les a en photo, ceci? Les avons en photo quand même. Oui. J'y vais. Des fruits de la clarté. Là là. Oh là là. Faut venir à une certaine heure de la journée. Attendez, quoique. Ah, tu... tombé.
C'est dangereux par ici. Attendez. Tout va bien se passer. Ah, kangourou. Moi je crois qu'il n'y en avait pas une, j'ai tout au bout sur elle la dernière fois. Hop, montons-lui sur sa poitrine. Parce que ça c'est... Il y a des trucs là-bas là. Mais... Voilà. Tu es droit là. On joue. Ah, faut qu'on les sorte nous-mêmes les miroirs, mais franchement. Je jure que c'est un truc dans le genre. Bon là il est 2h du mat, mais un truc dans le genre, c'est nous qui devons mettre les miroirs pour que mademoiselle soit illuminée. Donc commencer depuis là-bas. On fait 1, 2. Bref, il faut peut-être la quête qui va avec. Ils ont quand même dézingué la gueule, la pauvre. Elle n'avait rien demandé. Elle était là, dans son coin. Déjà, elle s'est fait voler son épée. En plus, on l'empêche d'être tranquille. Voilà quoi. Oh! Le jour se lève! Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Putain, il met longtemps à se lever le jour, hein. Bref. Donc c'est le mont Atega. Donc le mont Atega, c'est toujours la même chose. On peut pas venir là. Saloperie. Ah, même là, là. Ah, finalement, elle est pratiquement... Ah non. Oui, quand même, elle est pas loin. Il est pas loin du tout. Mais bref... j'y pense. Tac, tac, tac. Il y en a un ici. Oui, forcément, il y a celui du... Ici ? Ah, peut-être... Non, il n'y a pas d'île, donc c'est forcément là. Mais c'est ça qu'il faut faire attention aussi, c'est quand on a des sanctuaires, si il n'y a pas d'île au-dessus, parce que c'est peut-être lié à une île aussi. Bref, on va pas faire ça tout de suite, c'est pour ça que j'ai mis un plot classique. J'ai mis un truc comme ça et pas un qu'on met d'habitude. Il est comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, un petit... On est quoi? Oui, allez. Voilà. Un petit souvenir. Un petit souvenir. Puis... Va falloir faire de l'exploration souterraine aussi. Ah là là. Quelle idée ils ont eu de nous mettre la même map, mais en souterrain. Et c'est que du secondaire en plus. Tu l'as déjà visité en long, en large et en travers.
Nous l'avons pour lui modifier, mais pour que tu l'explores encore une fois, en long, en large et en travers, nous en avons fait une autre. Ah là 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 là, il prend les escaliers, Nick. T'es obligé de monter, je suis juste à monter les jambes là. À chaque fois qu'on passe, ce qui est bien, c'est qu'on prend des fleurs radieuses. Bam! Alors, la dernière fois, nous avions pris Ganondorf. Du coup, maintenant... Ah, bah, c'est... C'est Sonia? J'en ai bien... Non, c'est peut-être la sœur de... Ah, attendez, regardez. Non, les oreilles, si, si, c'est bon, c'est Sonia. C'est juste... Mais oui, parce que la sœur... La sœur... je sais plus si c'était lié à elle. Non, ça, c'est... Ça, c'est Rauru. La sœur... La sœur, ça doit être l'un des trucs. Bref, on veut Sonia. Sonia qui est... Où qu'elle est, Sonia? Sonia? Elle est là. Ah, mais c'est celle qu'on voyait. Ah, d'accord. Sonia qui est ici. Sur le plateau d'Ilmeni. Ça se trouve, c'est celle qu'on voyait dans le trailer. Parce qu'il était par là, Link, dans le trailer, donc... quel est le plus intelligent? Oui, déjà, t'effaces ça. Ça se trouve, vous aurez même pas le souvenir dans cet épisode-là. Ralala. Il y a un beau trou, hein, quand même, là. Il y a un énorme trou. Mais forcément, c'était à la place de l'ancienne tour, donc... c'est pas... Wouh! C'est tout là. Attendez, je veux y aller. De toute façon, c'est en direction de Sonia. Oh, c'est ça, c'est ce qu'on voyait, mais on le voyait à l'envers. On va pas me la faire, moi. Archipel céleste, Gerudo mort. Ah, il y a le truc de la... Les particules, là, quand la gravité est altérée. Le voir si on tombe. Est-ce qu'on tombe lentement? Ah mince, il est méchant monsieur. Ouais. Attendez, attends, c'est bon. Je voulais juste voir. Arme. Furious! Ah!
mince, il a froid, saloperie. Ah, saloperie. Moi, je voudrais pas faire de bruit pour attraper la furie. C'est une fontaine des fées. Il y a plusieurs fées, c'est une putain de fontaine des fées. L'autre elle s'est barrée forcément. Yep. Juste. Là. C'est une fontaine de fées. Ça se trouve si je suis on peut vérifier hein. Mais tu penses pas pouvoir me casser les genoux? Vu qu'on tombe tout à nos sœurs. C'est pas une qui croit, oh, ils auraient pu. Mais ok. C'est une fontaine de fées. Avec, si ça se trouve, avant un système d'eau s'écoulant. Qu'est-ce qu'on voit, le temple? Ah oui. Oui, il y a des trucs qui sont tombés. Bref, Sonia. Retournons sur Sonia. Attendez. Top. Attention parce que... Quoi? Ça tombe où? Ça tombe ici. Putain, fait chier. Zina! Je vous avais prévenu, ça se trouve, on l'aurait même pas sur cet épisode-là. Voilà, ça va être au début du prochain. Voilà, tout ce que ça cherche. Franchement. La bubbles. On va passer à travers un nuage, regardez. Oh, il se loue. Oh, j'y crois pas, il se dés...
Normalement, t'es censé quand même voir dans du vaporeux, mais non, mais il s'enlève. Oh, c'est pas du jeu. C'est tellement pas du jeu. Ah, c'est quand on entre et on sort dans la zone. D'accord. Dans la zone à gravité altérée. C'est pour ça. D'accord, c'était ça ce truc-là. Chef fois. Est-ce qu'elle est revenue la fée qui est partie là? Peut-être pas. Hein. Nope. Mais on aura eu des fées. Donc ça se trouve, là où il y a des tours comme ça, il y a des fées. Je vais juste reprendre. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'il y en a d'autres? Faut qu'il y ait un point d'eau. Même, ça c'est le temple. Après, le point d'eau il est peut-être asséché. Hein. Là il y avait une petite bobole, là il y a une petite bobole aussi. Là il y a une grosse bobole. Ah là! Là c'est une fontaine à petite fée. Je savais que j'en avais déjà vu. C'est quoi ce truc? Non, oui, non, c'est juste pour dire qu'on l'a déchiffré. Ah, le marque, merci, c'est gentil. Là, c'est le temple. Oh, c'est cool ça, il nous les marque. Là aussi, il y en a une. Il y a toujours ça. Là, forcément, on n'a pas vu. Ici, on nous montre quand même la balise. Je vais y arriver. Hein. Oh, j'ai pas déchiffré. On l'a pas déchiffré, celle qui était là? Bah si, pourtant c'est la première. Bref, se trouve il y en a encore une vu qu'il y a 4 fées. On en a trouvé 3. Il doit y en avoir une dans ce coin-là. Sonia là. Ça va être long. On va bientôt sortir de l'espace altéré. On en est peut-être déjà sorti. Hein. Ah non. Là on vient d'en sortir. Oh, on voit des vents. Là il y a des vents, là on les voit. Oh cool. On voit les vents. Babil, est-ce qu'on les voit? Il y a des larmes partout. Ouais, mais on va le voir qu'une fois qu'on est dessus. Oh, c'est beau. C'est beau. Ah, mais c'est moins beau avec le... Avec les korogus qui se sont mis dessus. Pas quoi, mais j'y crois pas. Mais oui, tu mérites que ça. Il est beau le machin, et toi tu viens tout gâcher. Coucou, un géoglyphe ici. Oh, tiens,
laissé ce cher Link. Tu enquêtes sur les géoglyphes, toi aussi. Tu m'en vois ravi. Oh, Link, quelle bonne surprise. Link, aurais-tu découvert des géoglyphes dans d'autres régions? J'en suis à combien? J'en suis à... 1, 2... 5? Je vais faire mon sixième, là. Et quand même, Sonia et Raoru, ils sont vachement rapprochés l'un de l'autre. Ah oui, je sais, la sœur, c'était celui-là. Naufragé du temps. En plus, ça nous dit ça correspond à quoi? Ah non, c'est celui-là. Ah, saleté de Korogu. Mineru. L'offensive. Feinte soumission. Perdu. Bref. Non. Je refuse. Je refuse. Est-ce qu'on peut se baigner dedans? Ça fait rien du tout. Ça pourrait au moins guérir, hein. Non, c'est juste de l'eau comme ça. Bref, YouTube, nous allons nous laisser là. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commenter, liker, même partager la vidéo. Vous pouvez aussi, bien entendu, venir nous rejoindre sur Twitch et suivre la chaîne. C'est important. Et bien entendu, rejoindre le serveur Discord et follow les comptes Instagram et Twitter. Voilà, voilà. En tout cas, gros merci et à une très prochaine fois. Bye, bye.